Les habitants de la ville égyptienne de Nagrik se sont réunis pour regarder leur héros, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, remporter le trophée de la Ligue européenne des champions de football. Salah, adoré par des millions d'Égyptiens, a marqué le premier but de la finale de la Ligue des champions contre Tottenham sur penalty, provoquant une frénésie chez les fans. Bien sûr, c'est un sentiment génial, dit-il, de voir un homme de ma ville et de mon quartier jouer au milieu de tous ces grands joueurs bien connus. Il a également marqué un but contre l'un des meilleurs gardiens de but de l'histoire. N'ayant pas remporté la Ligue des champions après la défaite de son équipe l'année dernière contre Real Madrid, les supporters de Salah priaient et souhaitaient que leur héros goûte à la gloire de l'Europe. Le maire de Nagrik a déclaré que Salah avait grandi pour inspirer non seulement les Égyptiens, mais aussi les Arabes. Mohamed Salah est certainement devenu pour les Égyptiens, les Arabes et le monde entier la joie et le bonheur que les Égyptiens attendent chaque jour et chaque heure. Aujourd'hui, il est devenu un cas unique et comme je l'ai dit, Salah n'est pas qu'un simple joueur de football. Salah est un être humain unique. Tout le monde l'aime. Salah, qui a terminé meilleur buteur de la saison en Angleterre à égalité avec Aubameyang et Sadio Mané, est très attendu à la CAN dans son Égypte natale.